Qu'est-ce que vous apporte Réseau Entreprendre au quotidien ? Alors, le Réseau Entreprendre nous apporte un accompagnement, donc avec un mentor qui nous suit tout au long, enfin pendant 3 ans, tout au long de notre développement, et également la possibilité de rencontrer des entrepreneurs qui en sont à peu près au même stade de développement que nous, lors d'interclubs au cours desquels on peut partager avec eux. Alors, au quotidien, le Réseau Entreprendre déjà nous a apporté une aide financière. C'est important pour nous qui commencions l'activité. Des ressources humaines pour m'appuyer si besoin. Si j'ai des questions dans un domaine qui ne m'est pas très familier, ça a pu l'être énormément pendant le montage du projet, sur des questions juridiques, sur des questions financières, sur des questions de communication et autres. Pourquoi avoir choisi Réseau Entreprendre pour vous accompagner ? Alors, le Réseau Entreprendre a une très bonne notoriété. C'est vraiment un réseau de personnes très expérimentées et auxquelles on a accès. Et pourquoi avoir choisi Réseau Entreprendre ? En fait, on a choisi le Réseau Entreprendre parce qu'on les a connus dans le cadre de nos recherches de financement et qu'on a aimé leur approche vis-à-vis des lauréats, notamment l'accompagnement qui dure 2 ou 3 ans, donc une période relativement longue qui peut nous permettre justement de se développer. On a cherché tous les acteurs qui sont là pour nous aider à entreprendre et c'est vraiment ceux qui nous paraissaient le plus humains, on va dire. C'était une approche, une question de personne. On a vraiment accroché avec l'équipe du Réseau Entreprendre 93. Pour le développement de votre entreprise, quelle est la chose dont vous auriez le plus besoin ? D'argent, il faut le dire. Nous, on a une activité où on innove. Et l'innovation, aujourd'hui, elle coûte beaucoup d'argent. Il faut qu'on recrute des experts, des gens extrêmement qualifiés. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir mentor ? J'ai été chef d'entreprise moi-même, donc je sais ce que c'est que de démarrer et accompagner les gens. C'est important pour les aider, pour leur permettre de franchir le premier pas. La conscience que les jeunes entreprises étaient essentielles à l'économie française et que ces jeunes entreprises qui avaient énormément de qualité, elles avaient besoin d'être aidées de façon bénévole. Pourquoi le Réseau Entreprendre ? Parce que c'est un réseau très dynamique. Il y a des projets qui touchent à différents domaines, au domaine environnemental, au domaine de l'innovation, au domaine de l'industrie, au domaine des services. C'est la gratuité. On accompagne des jeunes sans leur demander une contrepartie financière. Ça, c'est très important. Les valeurs d'échange. Donc un lauréat, un membre, on échange tous. On se tutoie d'ailleurs dans le réseau. Et puis pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'inné, j'allais dire, puisque je suis fils d'entrepreneur. Et comme disait le fondateur du réseau, créons des employeurs pour créer des emplois. Et ma notion du civisme, c'est ça aussi, essayer de créer de l'emploi. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune entrepreneur, lequel serait-il ? D'être persévérant, rencontre le maximum de gens, échange, va prendre des infos. Parce que le métier de chef d'entreprise, il faut savoir tout faire. Donc pour savoir tout faire, il faut écouter, il faut partager. Et c'est ce qui amène la richesse. Si cette personne a envie, que son environnement personnel, son entourage professionnel sont prêts, il faut y aller, pas d'hésitation. La France est suffisamment porteuse de projets. C'est un terreau fertile, la France, finalement, contrairement à ce qu'on peut dire. Il n'y a pas qu'aux États-Unis ou en Angleterre qu'on peut créer. Et venez rencontrer des réseaux comme Entreprendre, mais il y en a d'autres aussi sur tout le territoire. Pas de concurrence là-dessus. Venez vous faire aider, faites-vous accompagner et conseiller.